Mais salut mes petites biloutes, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un métier et vous devinerez jamais lequel. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu une journée type quoi. Ouais alors j'étais tranquillement en train de travailler quoi. Puis d'un seul coup je regarde dans mon rétroviseur et je vois il y a un mec qui court et qui gueule: Patoïsieu. Ouais je veux que ton zizi viens, faut qu'on croise nos pipis tout ça. Je me dis mais il est fou ce mec. Alors du coup je commence à accélérer, je prends mon arme tu vois, du coup, pour me défendre tu vois. Parce que maintenant j'ai le permis d'arme et je l'ai eu facile et Patoïsieu c'est un champion. Et du coup, le mec il continue à me suivre, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, je vais rouler un peu, il va m'oublier. A few moments later. Ouais, j'ai dit, vous allez m'oublier. Hein? Topiche? 2 hours later. Ouais, Patoche, ça j'ai dit, il va aller le perdre sur l'autoroute. The next day. Putain, c'est l'autoroute la frontière, laisse-moi tranquille là. 6 hours later. Ouais, non, non, Dieu, il va jamais me laisser tranquille ce. Ah, ah c'est bon, non, secours, sauvez-le, fermier Patoche, sauvez-moi! Bon, après 40 minutes de course, je me dis, bon, vas-y, je vais m'arrêter, je vais voir ce qu'il veut. Le mec, il monte, il me dit, enfin, Patoche, je suis un de tes plus grands fans. Putain, tu pouvais pas commencer par ça, abruti, là, moi j'ai eu peur, elle a peur de ma vie, j'ai fait dans mon pantalon, tout ça. Hein. Oh, tiens, un motel, viens, on va se garer au motel, on va aller te faire des selfies, comme ça, tu seras content et tu pourras te la péter auprès de tous tes amis. Et... Allez, c'est bon. Oui, après, avec Igor, on s'est dit qu'on allait aller travailler pour faire des pépettes. Ouais, puis comme Igor, il a tendance à me voler la concurrence, j'ai préféré l'éliminer. Mais je suis pas un bâtard, hein, je vais vous montrer des preuves, hein. Alors ça, c'était moi juste avant, je trouvais une cliente, tu vois. Et lui il la percute le bâtard, il la met par terre. Du coup je me dis oh putain j'espère qu'elle va bien la madame. Ouf elle se relève, mais va où ma madame? Bah c'est à moi ça. C'est ma cliente, rendez-moi ma cliente. Et du coup je lui dis madame je suis là regardez. Hey, vous pouvez monter avec moi. La madame a peur avec Igor. Mais c'est ma cliente, rends-moi ma cliente Igor. Arrête-toi tout de suite au nom de la loi. Je veux t'arrêter. Mais bon je perds pas espoir, je suis reparti chercher d'autres clients. Et je roulais à seulement 80 km/h, hein, comme la loi me l'oblige, bien sûr, à ville. Hein. Et donc, j'ai commencé à me refaire un client, du client, et puis beaucoup de clients. Et puis, parfois, tu attends. Pour rien. Parfois, tu fais des jolies rencontres. Parfois aussi, des fois, tu fais des bêtises, hashtag désolé pas trop. Et parfois, de super rencontres inattendues. Eh, parce qu'on roulait bien à 80 km/h, hein, j'ai pas du tout stressé, hein. Et vous pensez que monsieur Patoche, je pourrais me faire un petit autographe? Je suis désolé de vous déranger comme ouais, ça. Ouais, pas de soucis, traitez-moi un crayon. Et c'est très gentil, je vous donne ça, là. Enfin, bref, je suis taxi, quoi. Alors voilà mes biloutes, c'était j'espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires avec du pouce bleu pour avoir de la YouTube bonnet. Parce que j'adore la j'adore faire plaisir à travers des vidéos. Et du coup je vous fais des bisous sur le poutou et je vous dis à la prochaine, ciao.